La ministère des Affaires étrangères de Finlande a invité en mai 2012 11 journalistes des médias francophones de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de Paris et de Bruxelles en Finlande. Le but de ces jours était d'échanger des points de vue sur le développement durable et la coopération entre la Finlande et l'Afrique. Les journalistes ont fait connaissance avec le Parlement, la gouvernance locale finlandaise, les technologies de communication, ainsi que le système scolaire, la négociation de la paix et bien sûr, le vrai sauna finlandais. À la fin du programme, nous avons demandé quelles sont les idées de la Finlande que les journalistes voudraient partager dans leur pays. Lors de cette visite, l'expérience la plus intéressante pour moi, c'était la visite de l'OIA et l'exposition du design que nous avons vue. C'est vraiment aussi un modèle à exporter. Oui, dans mon pays aujourd'hui, comme j'ai dit, ce que je peux le plus rapporter, c'est cet amour du professeur, de l'enseignant, qui fait que le système éducatif est très efficace. Les enfants sont bien éduqués avec des matières comme travaux ménagers ou travaux manuels. Je crois que je peux vraiment rapporter. Et au niveau politique, la transparence et la bonne gouvernance. Les politiciens finlandais sont très simples. Ils vivent comme des gens normaux. Chez nous, il n'y a pas ça. Chez nous, c'est beaucoup plus de m'as-tu vu. Et je crois que cette simplicité, cette humilité, cette transparence dans la gestion des affaires publiques, c'est un bel exemple pour mon pays. De bout en bout, nous avons appris les réalités de la Finlande en matière d'appui au développement, en matière d'éducation, de promotion des technologies de l'information et de gestion des gouvernements locaux avec les voyages que nous avons effectués à l'OIA. La coopération pour la Finlande et l'Afrique, nous on a surtout évoqué le point de vue de l'aide au développement, la médiation dans les processus de paix, dans les conflits, l'aide au développement aussi sociale, pour l'égalité aussi entre les genres et l'aide au développement finlandaise, je pense qu'elle est, active sur beaucoup de plans. Je pense que jusqu'à présent, les Africains n'avaient pas ou n'ont pas encore mesuré l'importance de cette aide parce qu'elle est méconnue en Afrique. Et donc, de ce point de vue-là aussi, c'est une belle découverte, une belle surprise. Et on va relayer ça auprès de notre lectorat en Afrique, montrer que la Finlande, même si c'est un petit pays, fait de grandes choses pour le continent africain. Malheureusement, on a un très grand problème dans le secteur de l'éducation. Et moi, j'estime que c'est le secteur le plus important. Si on veut vraiment faire des réformes profondes, il faut commencer par le secteur de l'éducation. Et là, moi, je suis impressionnée par le modèle du système éducatif finlandais. C'est une, je crois, une jeune coopération qui a quand même de grands atouts et qui peut se développer, puisque quand on parle de questions de gouvernance, quand on regarde l'histoire de la Finlande, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'expériences à se transmettre. On a eu la chance de visiter le Parlement, d'être reçu par des responsables, le président du Parlement. Et il y a immanquablement des leçons, des manières de travailler, des expériences à transmettre. Bon, et puis la question de la transparence. Ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental, et non seulement pour l'Afrique, pour les autres pays européens.